Également de Pio. Et Guidou qui relance pour Bracci. Bracci était attaqué par Van Gaal. Verheyen qui peut relancer la direction de Van Gaal. La balle n'est pas sortie. La balle n'est pas sortie. Guidou Van Gaal. Van Gaal avec Trésor. Et c'est un chute. Raymond qui est parti maintenant avec Beckham. Raté. Vers Lambert. Saqué par Trésor. Et avantage de balle. Kevin Paul, vers Lambert. Oh là, on y va aussi au tableau. Ryan, oh non, une balle qui ne peut vraiment pas arrêter Baratheon. Van der Rijken, terrain de relance avec Jean Van Gaal, avec Domenech. Trésor. Marqué. Sur la première partie, le ballon qui est en jeu. Nouveau vers le mot. Le mot avec Grandin. Avec un tir important sur le. Il ne veut pas être question de. Certainement pas de l'intervention volontaire de la main. Petit combat entre Lambert et Van Gaal, c'est aussi attaqué par Van Gaal, c'est Domenech. Et il a failli surprendre Van Bint, fan de Guidou. L'équipe de France qui paraît être plus décidée maintenant en fait pour le faire en première mi-temps. C'est bien fait ça. Michel, Michel vers l'arqué. Thank you.
Il faudrait se mettre à la place des joueurs belges, c'est ça, parce que la qualification pour les quarts de finale des nations est au bout. Vandendal, Van Gaal. Oui, c'est bien fait, Pierre-Coup. On arrête de faire un enfin la balle n'était pas tellement difficile à faire. Et bon. Et Michel. Domenech. Marqué. On ouvre bien la carte côté français, mieux que tout à l'heure. C'est Dekens qui était au tapis là, alors que nous avons Guilou aux prises avec Van Binst. Et en jeu, Rochko. Van Gaal est bloqué par Van Binst avec une faute de Van Binst. J'ai l'impression qu'il a mis le coude. Aymon avec Kohls et Verheyen. Michel marqué. Le ballon circule bien du côté des équipes de France. Aux abords du rectangle, on ne sait plus très bien ce qu'il faut en faire. C'est-à-dire qu'il y a Rideau qui est dressé devant Christian Pio et il n'est pas facile d'y trouver une balle. Pio qui est en train de faire avancer les hommes, espérant réussir un très long dégagement. Voilà la direction de Costa avec Vandendal, Rochko. Il y a 10 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. Toujours 0-0.
Bundes pour être qualifié. Lekens qui était sorti de la mêlée de la tête. Michel. Domenech. Rousseau. Il a été bloqué. C'est Van Zandam qui était intervenu. Oh, Van Zandam. À côté des autres d'ailleurs. Domenech, Orlanducci, Trésor. Le Trésor qui essaye de trouver le partenaire, Orlanducci, pris en chasse par Coles. Ok, Domenech pour. Pardon pour Michel. Larquet. Domenech, nouveau Larquet. C'est Lekens qui est intervenu. Trésor, Kovacci. Nouveau Bracci avec Coles. Lambert maintenant. Van der Eyken. De Eyken. Lambert. Là, ils sont en train de geler le ballon. Coles. Avec Bracci, Coles. Lambert qui a donné derrière pour Van Bing. Et Larquet. Rocheteau. Encore Larquet. Avec une faute. Coles s'est commis de partout pour donner l'air. Avec Lekens, Mais ça aurait été bien. À quelques secondes. Toujours 0-0. Michel. Marqué, c'est un premier séance pour Michel. Domenech. Et
Et Lekken. Kools. Kools voor Rijen. Van der Rijken. Van der Rijken croisant avec une interception là de Coste qui joue en tant que défenseur et ça doit donner un coup de poing. Oui, effectivement, c'était Kools qui était sans lutte avec Kools. À nouveau Bracci. Et Guido qui a dévié. Non, non, il va y aller tout seul, ça c'est une erreur. En 1-2, il pouvait passer, mais tout seul, il n'avait absolument aucune chance. En plus, il y avait tout de même deux défenseurs là, prêts à intervenir devant Christian Pieux. Domenech, Trésor. Michel. Et c'est bien joué. Ça aussi d'ailleurs de la part de Cook. Larquet. Rocheteau. Elle est dangereuse. Vers Van Bint. Avec Raymond. Van Bint. Il n'y a personne qui nous a défendu pour réceptionner. Il faut dire pourtant que c'était tout de même très puissant. Même un peu trop puissant. Vous ne voyez pas, mais il y a Raymond Boutal sur son banc, il ne tient pas. On fait par Dox. Coupe, Dox. Lambert, on file avec Domenech. Non, c'est trop court.
Bon, la Nucci qui marche. Ouais, il faut vraiment suivre toutes les balles. Très bien. Michel. Avec Coste qui n'a pas pu intervenir et Van Bins qui met dehors. Il reste encore 25 minutes en jeu. Coste. Très bien bloqué encore. Guidou, Rachi. Michel, Trésor. Avec Verheyen, Trésor. Donnant pour Kohls. Van Gaal, Kohls. Trésor avec Kohls. Non, avec Van Gaal, pardon. Et Orlanucci. Bonne interception de Verheyen. Verheyen avec Lambert. Lambert avec Domenech. Et Michel. Larquet. Guidou, Guidou Pacci. Et bon. Avec Van Beens qui recule pour permettre aux camarades de défense de se resserrer, ce qui est arrivé d'ailleurs. Et on vous là, l'équipe, c'est le spectacle, il a mis sauver les meubles. Et assurer sa qualification, là, il n'y a rien à faire. Van der Rijken pour Dox. Dox, Christian Pio encore. Verheyen. Et Kohls. Orlanducci. Michel. Oh oui, c'était bien fait. Et ça aussi de Van den Dahl. Van Gaal pour Verheyen et Dox. Van der Rijken, la balle est sortie. Entrez pour l'équipe de France. Par Dominique. Avec ce même Bracci, et moi encore. Là, il est évident que maintenant ça devient un handicap pour l'équipe de France. De toute façon, jouer à 10 contre 11, c'est toujours terrible. Ça va faciliter la tâche de l'équipe belge. Guidou, Rocheteau qui a glissé là, et Van Beens. Pour Kohls, Kohls en direction de Van Gaal. Van Gaal avec Orlanducci. Pour Baraté. Le Trésor. Domenech.
Et Van den Dahl avec Cocteau. Dox. Encore Dox. Van der Eyken. Vers Lambert. Lambert Verheyen. Van Beek. Schultz. Schultz avec le mot. Van Beek. Verheyen. Van der Eyken. On va vers Lambert. Lambert avec Trésor. Pour le ballon, même si Lambert s'est fait mal. Voilà donc les deux équipes avec 10 hommes de part et d'autre, momentanément en tout cas. Le tout est de savoir si Lambert va rester au jeu ou bien si on va faire appel à Teuguen. Il reste encore environ 18 minutes à jouer sans les arrêts de jeu, bien entendu. Toujours 0-0. Raymond avec Bracci. Trésor. Coste. Rocheteau, avec Dox, Rocheteau, Orlanducci, pris en charge par Van Gaal, Coste, et Dox, très calmement, son intervention, Van der Eyken, Verheyen, Verheyen pris en charge par Rocheteau, Van Gaal, Van der Eyken et Dox. Koulekens. Et encore Dox. On est en train de geler la balle. Et attention tout de même, parce que ce sont des choses qui peuvent coûter cher. Il est faux, indiscutable. Qui a été commis sur l'oreille par Pilou. Donc le juge de ligne, lui, il ne tient plus. Il ne parvient plus à rester sur son banc. Et Lambert. Van der Eyken, Dox. Cook. Très bien fait ça. Vers Van der Eyken, ça aussi, vers Van Gaal. Tout juste à la limite du rectangle. De toute façon, ça donne un coup. Là, on ne se fait pas de cadeau de part de deux. Van Gaal. Encore environ 16 minutes. Hein. Van Gaal, il n'est pas bien donné. C'est Orlanducci qui prend encore beaucoup plus mal. Ce qui signifie que ça panique tout autant d'un côté que de l'autre. Évident que l'équipe de France pourrait faire une bonne sortie de cette compétition à l'occasion du dernier match de son entraîneur, Stéphane Kovac. Encore Van Gaal. Balle rentrant bien, détournée là par Baratelli en direction de Rocheteau. Rocheteau est passé. Et mauvais passe. Van Gaal. La sifflet hors jeu.
pas du tout certain que Van Gogh s'est trouvé en jeu sur cette phrase. Pour l'induction, c'est Bracci. Donc, l'équipe de France joue à 10. Orlanducci. Michel. Interception de Van der Eyken. Domenech. Eken. Et Van Bins. Verheyen. Très calme Verheyen. Oh, une mauvaise passe par contre vers Domenech. Encore Lekens qui était là. Van Bins. Calme le jeu. Donnant vers Cook. C'est un peu long peut-être. Et Cook est parti. Il est avec Trésor. Ilou, mauvais contrôle de balle. Avec Van Bins. Oh non, c'est marqué. C'est pas meilleur ça qui donne sur Trésor. Michel. Et bien ouvert vers Raymond. Bulls. Ici de Van Bins. Pour Lekens. Van den Dahl. Van der Eyken. Et Christian Pioux. Il a fait voler le ballon. Et puis on s'y connaît. Pas le coup de trésor. Ça, ça fait du temps. De gagner pour les Belges. Quarte. Et Raymond. Avec Van Bins. Et un coup de poing pour l'équipe de France qui se défend admirablement à 10. Rocheteau. Encore Raymond qui tente sa chance. Oui, là, je crois qu'il pourrait emporter les 53 comme ça sans inquiéter le moins du monde de Christian Pioux. Dégagement vers Cook. Pour Dox. Cook. Eken. Thank you.
course se fait sous les dernières minutes. Jacques de Guerre, au lieu de prendre Lambert, qui effectivement est en train de donner l'impression de souffrir. Van Verheyen avec un tir important sur Fraser. Van Gaal avec Rachi. Cook. Dox. Encore Cook. Pour Van den Dijk. Nous on le comprend, même. C'est pas très beau, il faut le reconnaître. Très bien fait de Cook pour Van der Rijken. Dox. Van der Rijken accroché effectivement. Décidément, Van der Rijken semble être pour le moment la cible des joueurs français. Et vous voyez toujours Raymond Boutin qui est en train de se précipiter là de, sur les Français. Là. Regardez-le, il est nerveux sur le terrain. Il ne va pas dormir pendant 8 jours. Interception de Cook encore pour Dox et Van den Dijk pour Leken. C'est bien fait de Leken. Scores on beat. On va vers De Gels avec Trésor et rentre en touche pour l'équipe de France. Elle est faite par Trésor pour Michel. Aymon. Guidou. Galis. Rachi. Aymon. Toujours Aymon. Très bien contré par Kohls. Van Gaal qui part maintenant. Van Gaal de Gaal. Son gauche,
Contrôle de balle pour ramener au pied gauche. Et c'est un bon tir. Regardez, ça ne passe pas loin au-dessus. Passons toujours 0-0. Avec Galis attaqué par Doc. Et il y avait une faute de Doc Seguin. Domenech. Très bien bloqué aussi par Vereil, Van Gaal. Ah, c'est continuellement par Domenech. Oh, c'est une terrible réclamation pour le moment. Avec un coup sur le mollet. Ça va faire mal. Ça va pas d'ailleurs. Alors que Van den Dahl démarre vers Van der Eyken, Orlatucci et Aymon. Ratchi, attaqué par Van Bien. Trésor maintenant. Michel, pour Domenech. 3 minutes à jouer en principe, sans les décomptes bien sûr. 3 minutes pour aller en quart de finale de la Coupe d'Europe des Nations et nous montons par Lekens, Van Gaal en direction de Lekens. Ce contrôle de balle. Orlatucci. Aymon qui a croisé pour Ratchi. Encore Aymon. Ratchi. Van der Eyken. Domenech avec Teugen. Teugen plus rapide. C'est bien fait Teugen tout ça. Van der Eyken. Encore la sécurité sans doute, bien sûr, vers Van den Dahl. Oui, maintenant sur les Belges qui gardent le contrôle de la balle et jettent le ballon pour gagner des points. Goals, Ratchi, Vereijen qui laisse sortir, c'est encore du temps de gagner. Nouvelle rentrée pour l'équipe belge, encore par Vereijen. Goals qui a perdu ce ballon. Galis. Avec Aymon. Galis. Avec Aymon. Et Guidou qui est parti là-bas. Donc balle pour Van den Dahl. Van den Dahl et Van Binst avec Galis. Allant vers Kohls. Kohls avec Aymon. Michel. Rocheteau. Avec Lekens. Et il y avait poussé pour Lekens. Poussé là. J'ai l'impression qu'on a poussé de l'autre côté, mais disons que c'était plus spectaculaire de la part de Lekens. Alors que Van den Dahl, lui, est allé chercher gentiment le ballon près de Christian Pio. Tout ça pour gagner du temps encore. Et ça va terminer chez Pio, bien entendu. Amorti pour Van der Eyken. Interception de coupe. Vereijen. C'est pas glorieux tout ça, mais disons que tactiquement ça tient. Faut de toute façon faire preuve de beaucoup de sang-froid, de beaucoup de maîtrise pour jouer comme cela. Coupe lance très bien. Avec
En direction de Cole, c'est un peu trop de sombre. Baratelli avec Cole. Il ne peut pas l'empêcher de dégager, mais il peut le gêner. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Puisque Baratelli n'a pas pu très bien dégager. Bracci avec Van Bint, encore en sliding tackle. Il faut dire que le terrain s'y prête admirablement. Terrain gras, mouillé pour les glissades. Et Mercedes-Benz.